On vient de terminer la journée de tournage, ça y est, donc c'était super long, mais on a filmé 5 vidéos, on est trop contents et c'était trop joli. Donc là, du coup, on est chez Foodio, en fait, ça a mis longtemps pour trouver un lieu, mais c'est un studio de tournage à Bruxelles pour faire des tournages culinaires. C'est cool parce qu'il y a déjà la cuisine, le plan de travail et tout, donc il y a un peu de déco, mais on a surtout beaucoup emmené notre déco et un peu de notre matos, mais ça va être trop beau dans les vidéos, donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer parce que vraiment c'était pas possible de le faire à la maison, c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on allait se diriger vers un studio extérieur. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous le mets ici parce que je sais qu'on va me poser la question, vous allez forcément voir que c'est pas chez moi, donc voilà, c'est trop cool et vraiment trop hâte de vous montrer toutes les vidéos. D'ailleurs, si jamais vous avez des envies particulières de recettes, n'hésitez pas à me les écrire juste ici. Comme ça nous donnera des idées pour les prochaines fois. Un savon de la marque Clémence et Vivien et je vous laisse admirer la beauté de ce savon qui est multi-usage, plutôt on va dire quand même pour le corps. Patchouli et eucalyptus, le parfum est incroyable et regardez le design du savon, c'est fou. Donc bien sûr c'est zéro déchet puisqu'il n'y a pas de packaging, ça c'est complètement recyclable et vous pouvez aussi trouver les sacs à savon sur notre boutique pour pouvoir le conserver sous la douche. Également de Clémence et Vivien, le baume onctueux, parfum fleur d'été, nourrissant et réparateur. J'aime beaucoup le packaging parce que c'est facile de le réutiliser. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est dur, mais une fois que vous le mettez dans vos mains, en fait, ça fond. Et c'est hyper agréable à appliquer sur le corps. Moi, celle-ci, je l'ai depuis cet été et je ne l'ai toujours pas terminée alors que j'en mets tous les jours. Elle est vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Ensuite, la crème de jour de la marque On the Wild Side, qui est une marque en fait qui se sert des plantes sauvages. En fait, c'est une cueillette de plantes sauvages pour pouvoir faire leurs produits. Donc, c'est une marque française, bio et 100% naturelle, durable également. Donc là, il y a la crème de jour. J'adore le packaging en verre. Pratique à réutiliser, pratique à recycler si vous ne voulez pas le réutiliser. C'est vraiment des très jolis produits et je vais vous en montrer un autre juste après. Donc le deuxième produit, c'est celui-ci, le masque exfoliant, toujours issu de la cueillette durable et sauvage. Et en fait, c'est sous forme de gel, donc c'est pas du tout désagréable quand on l'applique sur le visage. Et ça exfolie en enlevant les peaux mortes de manière très douce, donc si vous avez la peau sensible, c'est parfait.